Ok, on est sur un deck Illaoi Bard. Donc buff Carillon. Et tentacule. Une vraie plaie, il n'y a pas à dire, puisqu'il y a pas mal de buffs, donc le Bard va évoluer rapidement. Et il y a beaucoup d'opportunités en late game pour se faire finir par la Illaoi. Donc pas le choix, on tient le coup, on part. Et on place le sable mouvant Je connais un coin au bon tranquille. moment. Pouvoir éviter notamment le létal et les surpuissances qui vont nous arriver dessus. Tu en as déjà terminé avec le dernier groupe? Cher tendre, ô fragile, plus. Alors, on récolte quelle prime aujourd'hui? Tu en as déjà terminé avec le dernier coup. Gérer cher tendre, au fragile. Ce qui va nous sortir. Plus. Donc c'est bien, c'est qu'on a pas mal de mots-clés qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Besoin manger. Hop. Donc on clean un petit peu tout ça. On a de quoi tenir. On n'a pas encore de silence, mais la Kai'Sa, super important de l'avoir. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec la solitude, on va pouvoir level up la Kai'Sa rapidement, potentiellement le prochain tour. Ça dépendra de ce qui va nous sortir. Faut suivre le courant. Okay. Voilà. Je veux juste qu'on me laisse en paix. Est-ce que tu es différent? Ok, bon. À travers le corail. Pourquoi ça va être tendu, mais c'est faisable. Le Bard n'a pas encore level up, donc ça c'est bien pour nous. On a du buff et on a le challenger. Donc tant pis, on prend le risque. On prend le risque avec il la Kai'Sa. Un peu de temps. Il le faut. Ok, tac tac tac, on se fait clean. C'est pas grave, hop, on va faire une nouvelle arme. Le challenger. Encore. On tape. C'est la fête. Et on attaque. Voilà. Déjà le Bard, il est géré. Je collecte de l'or et du Super. Sang. Super. Donc là, prochain tour, on va pouvoir tenter le level up avec Evelyn. Ok, donc il va attaquer avec l'autre. On va pouvoir faire les sables au mouvement, donc on garde de quoi faire les sables au mouvement. J'espérais que vous passeriez. Vous lui manquez. Ah oui, je pourrais peut-être satisfaire. Chacun de leurs faits et gestes me rend plus forte. Je suis un apôtre de la vérité. Approchez. Ok. C'est super. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas les arrêter. Non, mais je peux aider mon peuple. Les histoires de cœur, moi, je les dévore. Bon là, c'est parfait. Là, quoi qu'il arrive, on a de quoi faire. S'il veut, ça passera. De toute manière, on a ce qu'il faut. Et au prochain tour, on va pouvoir le finir. Alors, je suis tenté quand même, hop, de faire ça, puisqu'il ne peut rien faire pour nous barrer. Et ils sont là. On lui tue deux petits bonhommes. Et au prochain tour, c'est fini. C'était formidable. Voilà, c'est super.
là, 9 de coup, hein. On fait, hop, le suppresseur dessus. Tac. On fait deuxième pot. Allez. Hop, il aille. J'adore. On la def. Et puis on attend de voir ce qui sort, puisqu'on a l'exploiteur. Oh, les sables mouvants. Ils ne peuvent fuir la lumière. Donc là, si on regarde, il y a tout qui tombe. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est un petit coup d'exploiteur sur lui. Voilà. Et on a le létal s'il fait rien. La vie a tant de choses à offrir. Et voilà. Hop. On fait aussi sur l'autre. Et c'est fini. À la prochaine, le néant. Ok, on est sur un deck certainement éphémère ralliement, puisqu'on a du Noxus, donc peut-être le site d'entraînement de Noxus. Donc un deck certainement très efficace mid et late game. Donc là ce qu'il faut, c'est gérer les champions. Vraiment là c'est gérer les champions. Et gérer les mots clés. Donc là ce qui est bien c'est que le tête brûlé, on va le buffer un petit peu, ne me fais pas perdre mon temps. Essayer de le faire vivre, tu dois me connaître, petit. Il le faut. Pour qu'il puisse utiliser un maximum de fois son effet d'attaque. Nous ne nous reposerons pas tant que tous les traîtres n'auront pas payé. Je suis toujours partante. Leur trahison va cesser immédiatement. La forêt m'appelle. Il pousse tellement vite. Je trouverai quelqu'un. Coucou, toi. Je suis né à Belvès, je ne partirai pas. Les histoires de cœur, moi, je les dévore.
on n'attendait personne. Encore. J'en veux encore. Ami ou ennemi ? Réponds-moi, ami. Je suis là pour vous aider. Chacun de leurs faits et gestes me rend plus forte. On est un. Nous allons réparer cette injustice. Oui, je mords. C'est chaud! Je ferai ce que je pourrai. Pitié, regarde-moi! Toi! Tu feras l'affaire! Sachez que nous reviendrons. Où est ton autre moitié, mon beau ? Elle attend son repas, madame. Je dois me dépêcher. Crie pour moi. Oh, oh, oh ! De la terre fraîche ! Ami ou ennemi ? Réponds-moi, ami. Je suis là pour vous aider. La forêt m'appelle. Je ne peux pas les laisser faire. Retourne dans ton trou. Ça se finit toujours trop vite. Ok, on tombe sur un deck Villain spécial bombe. Donc un deck bien contrôle, avec beaucoup de dégâts sur la durée et pas mal de copies. Deux copies notamment du site de la bombe temporelle. Et pas mal de capacités de même et de copies, ce qui est vraiment au long terme ultra embêtant pour nous. Notamment pour toutes les petites créatures et les carcasses qui ont un point de vie et qui risquent d'y passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est rapidement buffer nos créatures et surtout permettre le level up rapide de Kaisa. Vraiment, qui en mid game est ultra importante pour nous, parce que ça va nous permettre de clean le board adverse et en même temps pouvoir cumuler les mots-clés et de permettre le TK ou le finish. Suis-je déjà passé par ici ? Voilà, c'est bien. Pour l'instant, on a du board. Je ne partirai pas. On a des créatures solides. Alors, tac, 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 tac. Je dois tout faire pour les sauver.
Donc là on temporise. Il va certainement sortir une bombe à un moment donné. Mais on temporise quand même. Hop. Il leur faut plus de temps. Besoin manger. Hop. Bon, je l'utilise parce que du coup le sort contre Zilean c'est pas très intéressant et il y a donc qu'une seule créature, hein, la 4-4 de coup qui fait 4 copies qui a beaucoup d'attaques, donc vraiment là on va essayer de durer avec notre board. Voilà, on se buff, on tient le coup, donc il y a la bricoleuse. Là c'est embêtant ce sort. Bon, heureusement on a les boucliers en tessor qui vont nous sauver. Donc là il essaye de choper une de ses 4 bombes. On va être fixé s'il en a pioché une ou pas. Bon, ça va pour l'instant. Pour l'instant on a de la chance, il essaye vraiment d'en piocher. Et il arrive toujours pas à en piocher, donc c'est bien pour nous. Il est dégoûté.